Aujourd'hui, en 2020, tout nous pousse à penser que notre civilisation va s'arrêter. Catastrophe climatique, guerre civile, accident nucléaire, modèle économique incompatible avec l'urgence environnementale. On nous dit angoissés, intolérants à la frustration, incapables de nous concentrer, moins intelligents et cultivés que nos parents même. Mais comment pourrions-nous nous projeter dans l'avenir avec sérénité quand on nous noie tous les jours dans ce flot d'informations terrifiantes? Malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme, disait André Gide. Faire confiance aux hommes, c'est déjà se faire tuer un peu, en chérissait Céline. Nos arrière-grands-parents ont connu la guerre. Il est peut-être temps de les interroger. Donc papy, tu es né en 1929, ouais. Tu avais 14 ans lors des bombardements. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? On avait décidé de construire un abri. À l'intérieur, on avait installé tout ce qu'il fallait. Il y avait l'électricité, il y avait des planchers, il y avait des étagères. Pour, à chaque fois qu'on avait l'alerte, avant, on descendait dans l'abri. Les avions sont arrivés. Il y a un avion qui est arrivé en priorité, qui a lancé des bombes phosphorescentes et éclairantes pour indiquer aux pilotes qui étaient là-haut où il fallait qu'ils déposent les bombes. Alors forcément, là-haut, ils voyaient bien que c'était facile à bombarder. C'est pour ça qu'on a dérouillé beaucoup. Alors dans l'abri, il y avait ma mère, mon père, et ma sœur, et il y avait deux amis, une petite jeune fille de 16 ans et sa maman, qui avait toujours peur et qui venait toujours avec nous. Et les bombes tombaient tout autour. Et malheureusement, il y en a une qui est arrivée, qui est tombée à moitié du fossé. La fumée qui sortait nous oxydait, on était pris par la gorge, on ne pouvait plus pousser. Et en plus de ça, la terre s'était boulée et on avait les jambes enfouies. On ne pouvait plus bouger. C'est qu'au fur et à mesure qu'on a réussi avec nos mains de se dégager. Mais entre-temps, on avait les jambes qui enflaient, on ne pouvait plus respirer. Et de là, on a commencé à sortir. Et un deuxième bombardement est arrivé. Et mon père m'a dit, couchez-vous tous à plein ventre. Malheureusement, la petite jeune fille qui était avec nous est restée debout le long de l'arbre et elle a eu la tête coupée. C'est difficile parce que je revois tout. Et de là après, une fois que les bombardements étaient finis, on était habillé simplement qu'en tricot de peau parce qu'il ne faisait pas froid. On était au mois de septembre, il faisait beau. Après, c'est la défense passive qui est venue nous sauver, nous retirer pour qu'on puisse. Et on est reparti, disons, en chemise et en tricot de peau vers l'orphelinat de Bléville. C'est là qu'ils sont venus nous chercher. Les bonnes sœurs sont venues nous, à notre secours pour nous remettre un peu en place et puis nous accueillir pour pouvoir, revivre un peu, respirer un peu, parce qu'on a été plus de 2 ou 3 jours à s'en mettre là-bas sur place. Et malheureusement, pendant ce temps-là, la maison, il y a une bombe qui est tombée sur le dessus de l'autre côté et qui s'est mise en feu. Et notre pavillon a été complètement brûlé. Donc il ne restait plus rien du tout. Tout était écrasé, les bombes avaient écrasé, puis en plus le feu avait ravagé carrément notre habitation. Là-dedans, ici, j'avais un beau chat qui était resté dans la maison. Et je l'ai retrouvé que 2 jours après. Il s'était mis sous le chauffage central, à l'abri. Et puis il était resté comme ça. Mais quand il est sorti, il avait toutes les pattes brûlées. Il était obligé plus tard de lui faire des pansements pour qu'il puisse se revivre. C'est une anecdote que j'ai fait, qu'on a sauvé notre chat. C'est tout ce qu'on a sauvé, le reste, il n'y a plus rien. Et c'est un grand-père
arrière-grand-père de mon père, qui avait un pavillon à ce qu'on appelle au hameau du Quenet, c'est à côté du cimetière de Bléville. Et c'est là qu'il a dit, bah, je vais vous mettre dedans, vous allez vous installer. Et il est vide, il n'y a rien du tout dedans. Alors, nous, malheureusement et heureusement, parce que les Allemands, eux, avaient construit des blocos. Et ils faisaient des grandes foires, des grandes fêtes. Et puis, donc, eux, les Allemands ont été délogés par les Canadiens qui nous ont libérés. On est allés, nous, piller, je dis piller, dans les blocos pour avoir une chaise, une table, fourchette, couteau. Enfin. Alors, de là, j'ai décidé avec ma mère pour trouver le travail. Alors après, ben, je suis allé faire 3 ou 4 garagistes, et c'est là que j'ai trouvé chez Renault. Puis j'y suis resté 45 ans. J'ai fait toute ma carrière chez Renault. Je ne me suis jamais découragé. L'arrière-grand-père de Maël a connu l'exode. Il a vu sa maison détruite par les bombes anglaises, sa voisine décapitée. Et nous, est-ce qu'on aurait su trouver la force de nous reconstruire ? Si j'avais vécu une situation similaire à celle qu'a vécu le grand-père de Noël, je ne me serais pas totalement effondrée, mais je pense que j'aurais quand même été quand même assez choquée. Et moi, j'ai eu la chance de vivre dans une génération qui n'a pas connu de conflit, même pas du tout. Donc du coup, c'est quand même assez compliqué de répondre, mais je pense que j'aurais été traumatisée à vie. Moi, je pense que quand on a vécu un enfer comme un bombardement ou une guerre, certains arrivent à enlever ça de leur tête, mais certains ne peuvent pas. Moi, je pense que j'aurais sorti ça de ma tête parce que je suis très positif. Beaucoup de personnes, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont vu leur passé s'effondrer, que ce soit physiquement parlant, avec des maisons ou juste avec des personnes. Et ils n'en ont pas voulu aux gens qui ont bombardé leur ville. Alors que moi, si je vois un commentaire sur une photo qui me plaît pas, je vais tout de suite m'énerver, alors que proportionnellement, c'est pas proportionnel. Si j'avais vécu les horreurs des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, je sais pas trop comment j'aurais réagi. J'aurais sûrement été terrifié, probablement déprimé un peu, stressé, oui, nerveux, oui, je pense aussi. Sans ça, c'est en train de vérifier qu'il y a pas un avion au loin, je pense aussi. Je pense que s'il y avait aussi des membres de ma famille qui mouraient, ou même des amis à moi, je pense que je me suiciderais, je pourrais pas tenir dans une vie comme ça, moi. Ça m'aurait fait mal de voir ma maison détruite et que mes voisins soient morts, mais j'aurais voulu me venger, enfin, je sais pas, j'aurais voulu prendre les armes et tous leur dire d'arrêter ou alors les tuer, enfin, me battre pour que ça s'arrête. Moi, si j'aurais vu toute ma famille mourir devant moi, je serais vraiment très très triste, mais à partir d'un moment, il faut passer à quelque chose d'autre, même si je prendrais quasiment, même si ça resterait dans mon cœur toute ma vie, au bout d'un moment, il faudrait que je pense à d'autres choses. Voilà. Même si je vis dans un pays en paix, moi aussi, j'ai déjà vécu des choses dures, comme voir une personne mourir. Je sais ce que ça fait. On peut tomber dans la dépression, on peut vite tomber dans le déni. On peut se dire, on peut se mettre à culpabiliser en se disant que c'est de notre faute s'il est mort. Mais on sait que ce n'est pas de notre faute, donc il faut se remettre. Il faut rebondir, il faut se dire que c'est pas parce que tu as déprimé qui veut dire que la personne va revenir à la vie. Donc, vaut mieux s'en remettre. Et essayer de continuer normalement, en essayant d'oublier le maximum possible pour éviter de retomber dans une dépression.
Si on m'avait dit tu dois aller bombarder Le Havre pour participer à la libération de la France, je pense que je m'en serais voulu toute ma vie d'avoir ôté la vie à des personnes. Mais c'était déjà mon devoir envers ma patrie, c'est quelque chose qu'il fallait que je fasse. Et ça a peut-être sauvé beaucoup plus de personnes que ça en a tué. Donc la fin justifie peut-être les moyens, au final. On nous répète aussi que nous sommes moins engagés que nos grands-parents. Qu'avec nous, c'est le règne du chacun pour soi. Mais est-ce que c'est vrai ? On était solidaires. On était solidaires, on était contre les Allemands. Quand on pouvait leur faire des farces, on leur faisait. Des farces. Vous en aviez fait, vous ? Ah oui. On leur mettait de l'eau dans les réservoirs. Quand on pouvait, quand on voyait une camionnette qui était restée depuis 2 jours, eh ben, on ouvrait les réservoirs et on mettait de l'eau dedans. Oui, mais ça, on en a fait. Et vous n'aviez pas peur des représailles ? Non, moi, j'ai jamais eu peur. J'étais téméraire, j'étais bordé à fond. Alors, je pense que j'appartiens à une génération qui est beaucoup moins engagée avec les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Enfin, maintenant, tout le monde a des réseaux sociaux. Enfin, je veux pas dire que c'est pas bien. Bien sûr, ça a des avantages. Mais d'un autre côté, être tout le temps dessus, je pense que ça nous fait devenir débiles, en fait. Les adultes et les vieux pensent qu'on n'est pas capable et qu'ils nous le rappellent tout le temps, qu'on est une génération avec beaucoup de difficultés, qu'on n'y arrivera pas, qu'on est nul, qu'on vit trop dans la facilité avec nos téléphones, les réseaux sociaux, tout ça. Donc ils ont raison, c'est vrai, par rapport à eux, ils ont appris plus de choses que nous. Il y avait moins de difficultés, il n'y avait pas autant de problèmes qu'au jour d'aujourd'hui par rapport à ce que des jeunes apprennent mal ou quoi. Mais je crois qu'on peut y arriver quand même parce qu'on a le potentiel. Oui, moi je trouve qu'on est une génération beaucoup, beaucoup plus combattante que les précédentes parce que justement les inégalités sont beaucoup plus reconnues et ça sidère de plus en plus de personnes, ça les alarme et donc on est beaucoup plus combatif sur que ça soit l'écologie, les droits pour tout le monde. On se bat beaucoup plus pour ça parce qu'on s'en rend plus compte qu'avant. Je pense que grâce aux réseaux sociaux, on a la possibilité d'être informé de beaucoup de choses et de se rendre compte de la gravité d'actes de chacun. Et on essaye de se battre pour éviter ça. Moi, je pense que ma génération, elle est quand même assez combattante. Et si elle s'en donne les moyens, elle peut complètement changer ce qui est en train de se passer au niveau climatique pour notre planète. Et c'est ça qui fait la force de notre jeunesse, parce qu'en plus, on a les nouvelles technologies qui nous aident. Et c'est comme ça qu'on pourrait tout changer. Je pense qu'on est tous des Greta Thunberg, parce que je pense qu'on veut tous faire quelque chose pour notre planète et pas la laisser partir comme là, on pense qu'elle est partie. Je pense qu'on est tous comme elle et qu'on veut que notre planète reste... qu'elle reste ici, qu'elle ne parte pas, qu'elle soit pas trop polluée, enfin genre... Moi, très sincèrement, je serais capable d'abandonner un peu toutes les choses connectées et me ressourcer à ce que j'aime vraiment, c'est les livres, transmettre, l'histoire, j'aime vraiment ça. Et à côté, je me rends compte que parfois, mon téléphone, je passe du temps dessus, mais ça ne me rend pas heureuse. Alors que quand je lis vraiment un bon bouquin, je suis heureuse et je ressens de vraies émotions. Mais c'est vrai que quand je parle avec les autres, je me sens parfois un petit peu comme une extraterrestre, de savoir que je suis une des rares personnes qui apprécie lire et qui lit des grands textes comme du Molière ou du Zola, que les autres, enfin la plupart de mes amis, ils lisent pas d'autres livres que les livres qu'on travaille au collège. Enfin, ça m'attriste quand même un peu, c'est que ça veut dire qu'ils passent la plupart de leur temps sur des choses inutiles et chronophages. Et c'est horrible. Donc c'est vrai, tout ça, c'est des beaux discours, c'est de la théorie. Mais réellement, est-ce que je serais capable d'arrêter des choses pour aider la planète ? C'est à réfléchir, parce que réellement, on ne peut pas savoir, on ne peut pas...
On imagine toujours. C'est vrai que nous, les enfants, on est nés dans un monde où on a partout autour de nous des technologies. Nos parents, ils sont pas nés comme ça. Et plus les générations, ils avancent, plus les enfants, ils naissent dans le domaine de la technologie. Donc après, c'est très dur de s'en détacher. Après, il y a des choses que j'arriverais à faire en me disant que c'est pas que pour moi, que c'est pour les autres. Par exemple, aller au collège en vélo, j'en serais capable. Faut juste un peu de motivation. Par contre, me détacher de mon portable, je suis pas sûre d'y arriver. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui prend énormément de place. Bah, je serais capable d'abandonner les réseaux sociaux, je pense. Parce que les réseaux sociaux, ça fait beaucoup de mal parfois. Et je pense que je pourrais m'en passer. C'est un plus, mais si on me l'enlève, je serais pas si malheureuse que ça, justement. Je me sens que la planète est en danger et qu'il faut agir. Mais d'un autre côté, je viens de commencer la série Naruto et je suis qu'à la deuxième saison. Alors j'aimerais bien pouvoir la finir. Et là, peut-être que je m'engagerai à arrêter. J'adore Netflix, mais je serais capable de l'abandonner. Vu l'état actuel de la Terre, si ça continue à se dégrader comme ça, au point où on en est, clairement, je serais capable d'arrêter. Si ça continue à polluer autant, autant arrêter, quoi. Parce que, bon, on va pas continuer, quoi. Ce n'est pas foutu, tout est encore possible. On peut encore agir. Par exemple, moi, je serais même prêt à abandonner mon téléphone, même à arrêter les jeux vidéo, rien que pour la planète. Je pense que la première chose dont je serais prêt à me débarrasser, ce serait tous les produits importés qui font d'énormes voyages en bateau ou en avion et qui, pour moi, polluent énormément, comme la nourriture qui n'est pas de saison. Ça ne me gênerait pas de ne pas manger une banane en hiver. Et par contre, pour moi, me débarrasser de téléphone, ce serait pire. Et si on avait vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on aurait fait ? On s'est tous posé cette question un jour. Est-ce qu'on se serait engagé dans la résistance ? Est-ce qu'on aurait été collabo ? Est-ce qu'on serait resté neutre ? Je sais qu'il y a eu des gens qui ont collaboré, des filles qui, malheureusement, les filles étaient avec les Allemands. Et ça se comprend parce que, bon, ben, puis les filles n'osaient pas résister, alors ils se laissaient faire. Alors. Non, mais dans notre région, on n'a pas eu de problème à la libération que les mettre sur leur couper les cheveux pour les punir. Non, c'est pas dans. Les villes, ça n'a pas été vous. J'aurais été neutre parce que je tiens à la vie. Et si j'avais été résistant, il y aurait eu des représailles par ma famille. Et si j'avais été collabo, j'aurais été KO à la fin. Bah, mourir, je pense que ça aurait été beau de mourir pour mon pays. Mais de tuer quelqu'un, je pense qu'au début, ça m'aurait fait bizarre. Et je pense que j'aurais été traumatisée de mon premier meurtre. Enfin, mon premier... Ouais, meurtre. Mais après, petit à petit, on s'habitue. Et si c'est pour la bonne cause, bah, je pense que je le ferais. Moi, je suis quelqu'un qui soutient la paix. Et si j'aurais été résistant, je me battrais et donc ça m'aurait fait mal au cœur. Et si je fuis, bah, ça serait lâche de ma part, je pense. Parce que les autres, ils se battent pour moi et je leur laisse faire le travail. Donc je pense que j'aurais été neutre. Moi, je pense que j'aurais quitté le pays avec ma famille pour éviter qu'on se mette en danger bêtement. Et au lieu d'aller à l'armée et de risquer de se faire tuer et... mettre une famille en dépression bête pour rien. Moi, je dis, vaut mieux quitter le pays, se mettre en sécurité et attendre que ça se passe pour pouvoir retourner. Je pense que... en fait, ça dépend. Je pense que si j'avais eu l'éducation que j'ai aujourd'hui, j'aurais plutôt été résistant. Mais par contre, en période de Seconde Guerre mondiale, à froid comme ça, je pense que j'aurais été plutôt neutre parce que... Je ne pense pas que j'aurais eu beaucoup de soutien de la part de mes proches en ces temps de guerre. Enfin, je ne pense pas. Et par contre, j'aurais jamais été collabo parce que j'étais pas du tout d'accord avec l'idéologie des nazis. Donc je pense que j'aurais été soit neutre, soit résistant.
faut comprendre les gens, ils avaient peur. Il y en a qui partaient, il y en a qui avaient beaucoup de courage de rester et de se battre. Et moi, je pense que j'aurais fui. D'après mon caractère, je pense que j'aurais été bien impliquée dans la résistance. Parce que les inégalités, que ce soit dans n'importe quoi, ça me rend folle, mais vraiment folle. Je déteste ça. Et donc de voir tout ce qui était imposé aux gens parce qu'ils étaient juifs ou parce qu'ils étaient noirs ou parce qu'ils appartenaient à une certaine communauté, ça m'aurait rendue folle. Et je déteste les conflits, donc je serais soit partie dans un autre pays, soit je me serais mise dans la résistance. Mais dans tous les cas, j'aurais fait un des deux, peut-être résistante dans un autre pays pour fuir le conflit quand même. Alors pour être résistant, il fallait être vachement courageux. Donc moi, je pense que j'aurais pas eu ce courage pour être résistant. Je pense que j'aurais été plutôt neutre, tout simplement. Moi, si j'avais vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, bah, je pense que je resterais chez moi, passif, prendre les plus provisions possibles. Parce que si on allait à la guerre, bah, on pourrait grande possibilité de se faire mourir, parce qu'il y a une guerre mondiale. Alors si on va dehors et qu'on trouve des ennemis, bah, on pourrait aller en prison ou se faire exécuter. Du coup, il vaut mieux rester chez soi, avoir des provisions et rester... À l'abri. Moi, je me serais engagée, j'aurais fait la guerre, parce que pour moi, il y a d'autres personnes qui font la guerre, et puis pourquoi non, on doit pas la faire. On est tous égaux, donc on doit faire la guerre. On fait la guerre, même si on meurt, au moins on est mort avec courageosité. Je pense que j'aurais été comme la majorité des Français, j'aurais attendu que ça se passe. Mais par contre, si mes parents auraient été dans la résistance et accueillir par exemple un enfant juif, et que j'aurais dû partager ma chambre, mes repas, etc., c'est vrai que j'aurais pas été. Enfin, d'un côté, j'aurais été heureux pour l'enfant, parce que si ça avait été moi, j'aurais été content. Mais c'est vrai que partager tout au quotidien, ça doit être difficile. Et voilà. Je pense que c'est une question difficile à répondre. Parce que même si on a l'habitude de dire que ça devait être horrible d'être au front ou à la résistance dans ces périodes-là, on ne sait pas vraiment. Et seules les personnes qui ont été peuvent vraiment témoigner et nous raconter comment c'était horrible. C'est pour ça que dire des choses comme j'aurais été résistant, car j'ai horreur de tout ce qui s'est passé, est difficile à dire. Je pense que tant qu'on n'est pas face au danger, on ne sait pas vraiment. C'est pour ça que j'opte plutôt pour la réponse d'être neutre. Mais si par malheur, une troisième guerre mondiale éclatait demain, est-ce qu'on saurait réagir intelligemment ? Faut pas penser à ça. Non, y a d'autres choses qui vont sortir. Hein. Y a des découvertes qui vont se faire. Y a de l'avenir pour ces jeunes s'ils veulent travailler, s'ils veulent avoir un métier. Le problème, c'est leur apprendre à travailler. C'est ça le problème. Surtout ça. Faut pas avoir peur de taper dans la masse. Faut pas avoir peur. Faut en vouloir. Toujours essayer de s'améliorer. Et avec tout l'informatique que vous avez, la tablette, tout ça, mais c'est merveilleux pour vous. L'homme n'apprend pas ses erreurs parce que il y a eu une première guerre mondiale, on a dit que c'était la dernière. Et il y en a une deuxième. Et là, il y a encore des guerres en Syrie, tous ces pays-là. Et sûrement qu'il y en aura une troisième mondiale cette fois-ci, une guerre mondiale. Bah, c'est possible, rien qu'avec les frontières qui se ferment à cause du nouveau virus, le coronavirus. Si tout le monde se ferme les frontières juste parce qu'il y a un virus qui est là,
Alors, s'il y a autre chose de un peu plus grave qui va arriver, ça va être quoi? Ça va se transformer en quoi? Enfin, je sais pas. Oui, je pense que c'est possible qu'il y ait une autre guerre qui arrive. Et peut-être pas les mêmes conséquences que avant, mais c'est possible. Si par malheur il y aurait un futur conflit, je pense que je m'engagerais dans l'armée. J'espère que j'aurai le courage aussi de faire ça. Mais je pense que je m'engagerai dans l'armée et que je défendrai mon pays. Et j'espère faire de la fierté de ma famille aussi en faisant ça. Je serai comme dans toutes les guerres, neutre. Parce que c'est encore mes principes. Et je pense qu'il ne faut pas s'éloigner de ces principes. Parce que après, ça nous fait perdre pied. J'ai beau être pacifiste, mais je pense que je serais quand même capable de prendre une arme pour défendre ma famille. Je pense que j'aurais fait comme mon grand-père, parce que il se cachait, il voulait tuer personne, parce qu'il avait pitié, et qu'il se cachait parce qu'il avait peur de voir tous les morts et voir... Enfin, les membres partout, enfin, le sang, parce que d'ailleurs, maintenant, il parle plus beaucoup parce qu'il est traumatisé de cette guerre où il a vu tout le sang giclé partout. Je suis femme, mais oui, je serais capable de tuer quelqu'un pour sauver ma famille ou sauver une personne qui me tient vraiment à cœur. Je pourrais prendre les armes pour tuer quelqu'un. Qui a fait du mal à quelqu'un que j'aime ou moi. Je suis plutôt confiant dans l'avenir. Parce que même si beaucoup de personnes disent que tout le monde se fait la guerre, quand on regarde les dernières décennies, c'est les décennies les plus en paix depuis des millénaires. Et on a fait énormément de progrès et je pense pas qu'il y aura de troisième guerre mondiale. Ou alors ce sera à des échelles beaucoup plus petites. Malgré les conditions de vie difficiles qu'ont connues nos grands-parents, on est nombreux à croire que notre enfance est moins heureuse. Ça m'a remarqué, ça m'a endurci. Après d'avoir combattu, ça m'a donné, si vous voulez, l'envie d'aller de l'avant. Ne pas... d'essayer d'évacuer tout ce que j'ai subi, puis penser à l'avenir. Fonder une famille, me marier, avoir des enfants, des petits-enfants, puis des âges. C'était notre but. On n'avait pas beaucoup de distractions. J'ai commencé après la libération, il y a eu les cinémas ont réouvert. Alors, on a commencé à aller au cinéma au bout de 1 ou 2 ans, pas avant. Quand j'ai voulu me marier en 1950, c'était très dur pour trouver un logement, parce que du fait que les maisons ont été abandonnées, il fallait qu'on trouve une solution. Et moi, du fait que j'ai travaillé de bonne heure, j'ai pu quand même amorcer un peu de manière à acheter un terrain. Et de là, on a formé ce qu'on appelle une équipe les castors, si vous voulez. Et on était 8 couples comme ça. Il y en a un qui était maçon, l'autre qui était menuisier, l'autre qui était mécanicien. Et on s'est arrangé, on s'est organisé pour pouvoir... Et on a chacun eu besoin l'un de l'autre. Et quand il y avait un travail à faire sur une terrasse, on allait couler le béton. Quand il y avait les ardoises à monter, on a... Et c'est comme ça qu'on a fait ce qu'on appelle une belle action pour nous, pour pouvoir avoir des enfants, pour pouvoir les élever. Ouais, c'était notre seul but. Moi, je pense que maintenant, vous avez une belle vie devant vous. Vous avez votre papa, votre maman qui travaille, qui vous élève et qui vous distrait. Vous faites du sport, tandis que nous, on ne faisait pas de sport pendant les 4 ans de guerre. On n'a pas fait de sport, pas de football, pas de rien, on ne pouvait pas rien faire. Donc, tu vois, c'est un...
C'est une belle vie pour vous maintenant que vous avez, il faut en profiter. Mais il faut toujours avoir le sentiment d'aider son prochain. S'entraider, s'aimer. Je pense qu'on est moins heureux que les générations précédentes parce que moi, je prends exemple, je parle très mal à mes parents à cause de mon téléphone. À cause des écrans, tout ça, je suis trop derrière. J'en suis consciente. Et je leur parle vraiment, des fois j'en prends pas conscience, mais inconsciemment je leur parle très mal. Bah, en fonction de ce qui se passe en ce moment, je pense pas que ma jeunesse soit plus belle que celle du grand-père de Maël, parce que il a vécu quand même des choses fortes, et je pense que c'est ça qui embellit un peu la jeunesse des gens. Donc je pense que la mienne est quand même relativement moins belle que celle du grand-père de Maël. Même s'ils ont connu la guerre, et ils étaient confiants, ils se sont dit, voilà, la guerre, moi, va passer et ça va être bien. Mais nous, avec tout ce qui se passe en ce moment, on se dit, bah, la planète, elle va plus bien, quoi. Elle peut... Bah, ça va mal finir. Il y aura une troisième guerre, problème de pollution. Non. Donc non, je pense pas que notre jeunesse est mieux que la leur. Je pense que la génération des personnes qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, elle devait être affreuse, tout comme la première. Donc non, j'aurais pas aimé, je préfère largement cette génération-là. Mais si on me demandait à choisir une génération, je pense que j'aurais choisi les années 80-70, parce que c'était une génération qui était, je dirais pas ouverte, mais où les gens se prenaient pas la tête. Alors que maintenant, les gens, ils sont plus... faut être droit, faut être comme ci, faut être comme ça, on veut caler les gens dans des cases, et moi, je trouve ça assez dommage. Si je devais comparer ma vie avec celle de mes grands-parents... eux, ils avaient, j'ai l'impression qu'ils avaient plus de liberté que nous, parce qu'ils n'étaient pas obligés de faire attention à tout ce qu'ils faisaient. Alors que nous, même si on a les réseaux sociaux, il y a des dangers. Et du coup, les réseaux sociaux, c'est comme une illusion. C'est comme une illusion, en fait. On croit que ça nous protège, mais ça ne nous protège pas vraiment. J'aimerais beaucoup vivre dans les années 80. Avec cette folie des patins à roulettes, la musique des années 80, j'adore ça. Oui, je sais, je suis une vieille dans la musique. Et aussi le fait que les gens n'étaient pas du tout sur leur téléphone et qu'il y avait juste des téléphones fixes et encore pas dans toutes les maisons. Donc c'était mieux en fait, tout le monde se voyait tout le temps, on faisait souvent la fête, je pense que c'était des belles années. Si j'avais le choix, je vivrais à l'époque de mes parents, parce que c'était vraiment une belle époque. Quand nos parents ils nous parlent de leur jeunesse, c'était formidable. Ils sortaient en vélo avec des amis, ils allaient se promener au parc, tout ça. Alors que nous, au lieu de faire ça, on est derrière nos téléphones à polluer la planète. Alors qu'on pourrait être dehors, à profiter de la nature, tout ça. Ça se trouve, dans 20 ans, il n'y en aura même plus. Donc, c'est dommage. Ah oui, moi, si je pouvais remonter, par exemple, dans une des générations de mes grands-parents, de mon père ou quoi, je pense que je choisirais celle de mes grands-parents parce que il n'y avait vraiment aucune technologie. Vers la fin, oui, il commençait à avoir les télés et tout ça. Mais c'était mieux parce que, oui, aussi, on sortait avec nos amis tout le temps. On restait pas enfermés à jouer à des consoles, à nos téléphones, à surfer sur Instagram. Je préférerais vraiment aller dans le passé de mes grands-parents, parce que ça devait être vraiment bien, sur la technologie. Effectivement, en temps de guerre, ça devait être dur, c'était l'enfer. Donc, il fallait être solidaire. Et si on n'y était pas, on avait beaucoup moins de chances de survivre. Et on a perdu ça, nous, avec les réseaux sociaux. On a l'impression de connaître beaucoup de gens, mais la plupart, on ne les connaît pas. C'est même pas leur passé, ce qu'ils ont connu. Alors qu'à l'époque, on savait qui on connaissait. Il y avait des histoires entre eux. Et ça, c'est dommage qu'on l'ait perdu, parce que c'était vraiment quelque chose de super. Et pendant la guerre, ça leur a beaucoup aidé, je pense. Il y a quelque chose qu'on a perdu par rapport à nos parents, c'est qu'on ne profite plus de ce qu'on vit sur le moment, parce qu'on... On préfère le filmer et faire rêver les autres de ce qu'on vit, alors qu'au final, c'est pas forcément un truc de rêve. Moi, je connais pas par cœur la vie de mes grands-parents, mais moi, je suis très heureux de ma vie et je l'y changerais pour rien au monde.
Moi, je voudrais jamais changer d'époque parce que ce que je préfère le plus, c'est faire de la trottinette et qu'avant, il n'y avait pas des trottinettes comme nous. Et la trottinette, je trouve ça super cool parce qu'on est détaché des écrans où on perd notre temps. Même si on a besoin de téléphone pour appeler nos parents, des amis, des choses comme ça, mais que nos grands-parents, ils n'avaient pas tout ça. Nos grands-parents, ils avaient peut-être plus de liberté, mais moi, j'adore mon époque par rapport à mes grands-parents, parce que même si on n'a pas tout ce qu'ils avaient, eux, nous, on a quand même les trottinettes, on a des ballons de foot, on a des grands skiparks, des grands city-stades où on peut s'amuser. Il y a quelque chose de paradoxal parce que nos grands-parents, enfin nos arrière-grands-parents, ils vivaient dans la guerre, les bombardements, et ils croyaient en l'avenir. Que nous maintenant, on vit en paix, il n'y a plus rien, plus de guerre, et on pense que c'est la fin du monde, qu'il n'y aura plus rien. Il y a un autre paradoxe parce que on est nostalgique de la vie de nos parents parce qu'ils connaissaient pas le portable et ils sortaient beaucoup. Mais quand on nous demande de lâcher nos téléphones, on ne veut pas.